Amis téléspectateurs, bonsoir. On va suivre la dernière heure, un programme évangélique, culturel et social destiné à la famille. Pour nous commencer le programme aujourd'hui, nous invitons à suivre un morceau très spécial. Allons suivre ensemble. Oh,
Jésus de Nazareth, assoyons-nous contents parce que vous rappelez-nous en vous-même nous gagnons des amis et un appui céleste. Des amis qui sont capables de comprendre nous, les personnes d'autres ne comprennent pas. Des amis qui sont capables de consoler nous lorsque nous sommes en tristesse. Des amis qui sont capables de longer nous la main lorsque nous tombons. Des amis qui sont capables de aidez-nous lorsque nous avons un problème. Assoyez-nous contents parce que les amis, ça, c'est Jésus. Nous avons présence sous Jésus. Nous avons besoin d'une parole de consolation. Pour qu'on chaque monde qui présente Jésus. Je n'ai pas un langage pour me parler, pour me satisfaire tous les besoins. Mais si vous cachez derrière la croix, Jésus est capable de venir visible à tous. Il parlait, tout le monde est content et il est satisfait. S'il vous plaît, Jésus, touchez chaque cœur à soi. Consolez les affligés et qu'à travers la prédication de ta parole, tout le monde est capable de joindre une consolation. Nous, demandons grâce et faveur, Sayo, au nom de Jésus, lui qui vit et demeure au siècle des siècles. Amen. L'espoir dans la vallée du désespoir. C'est le titre de notre message pour ce soir. Hope and the Valley of Hopelessness. L'espoir dans la vallée du désespoir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bien-aimés frères et sœurs, le péricope que nous avons devant nous ce soir, Marc chapitre 10, verset 46 à 53, il est censé causer un pile problème dans le temps gros monsieur qui fait étude avancée sous la Bible. Tout simplement parce que le passage ça est censé relater dans les évangiles synoptiques. Ou en d'autres termes, Matthieu, Marc, Luc. Et nous avons normalement dans Matthieu chapitre 20, verset 29 à 34. Et aussi dans Luc chapitre 18, verset 35 à 43. Même passage là avec des variations. En effet, par rapport à ça, un pile monde d'avoir dit que la Bible est en pile contradiction là-dedans. Parce que dans Luc Matthieu chapitre 20, on a réalisé que Matthieu dit nous comme ça que c'est deux aveugles qui te gagnent. Tandis que Luc de son côté, il dit nous comme ça que Jésus s'approchait de Jéricho et Matthieu dit nous, Marc dit nous qu'ils arrivaient à Jéricho. Donc nous avons gagné une variation ou peut-être contradiction si nous voulons mettre dans le thème que monsieur savant yo dit. Cependant, moi t'a voulu ouvrir les yeux à soya pour capable comprendre que lorsque quelque chose dit, ou doit mettre dans le contexte li, en sorte que pour capable comprendre ni davantage. Maintenant, Matthieu dit nous gagne deux aveugles parce que Matthieu gagne une audience tout à fait spéciale. Matthieu gagne une catégorie de monde tout à fait spéciale à essayer d'atteindre. Qui c'est les Juifs. Et Matthieu remet pour le capable ben, assez aussi de détails qu'elle capable pour le capable essayer convaincre que Jésus c'était le fils de Dieu.
Parce que les Juifs ont rejeté Jésus-Christ comme étant le Messie promis, le Fils du Dieu vivant. Donc par rapport à ça, Matthieu maintenant dans l'évangile a fait une façon pour le capable présenter des faits qui prouvaient que, en vérité, que Jésus il est le Messie promis. De ce fait, Matthieu prend temps pour le capable présenter deux avec, parce que Marc pas un problème ça, Marc a l'autre audience. Et pour Marc, détail ça n'est pas important, parce que Marc a adressé au Romain, et Romain il n'a pas de temps, c'est bruit sous coup de recevoir l'évangile là, parce que ce sont des soldats qui ont été. Donc par rapport à ça maintenant, Marc a de son côté présenté nous seul avec, et réalisé que c'est seul Marc qui présentait nous, non avec ça le présenter. Raison qui fait que Matthieu maintenant prend temps pour le mentionner deux avec, c'est parce que, comme on dit déjà, la essayé de convaincre Juifio que Jésus c'est le Messie. Or, déclaration que avec il fait, il proclamé Jésus roi. Parce qu'il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ou aie pitié de nous. En d'autres termes, selon ça, l'Ancien Testament a dit que Messie a sorti dans un trait David, et par rapport à ça, monsieur, il a dit Jésus nous connaît qui est souillé, ou c'est petit David là même, ou c'est Messie qui t'a dû venir. On pas oublier que selon Lévitique, pour un témoignage capable de valable, il faut qu'elle fait en présence de deux ou trois témoins. Donc deux messieurs ça ont confirmé que Jésus il est le Messie. Et pas oublier, Jésus arrivé dans la dernière phase là, l'a quitté Jérusalem, l'a quitté Jéricho pour aller à Jérusalem, l'entrée triomphale pour le crucifier, pour le mourir. Donc c'était dernière opportunité que monsieur ont gagné pour être capable comprendre que Jésus il est tout bon le Messie promis. Marc, comme on dit nous, dit ils arrivaient à Jéricho. Tandis que Luc de son côté nous dit il s'approchait de Jéricho. Raison c'est tout simplement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est parce que à l'époque tu avais deux villes de Jéricho. Tu avais l'ancienne ville de Jéricho et tu avais aussi une autre ville de Jéricho que Hérode bâti combien de temps une maison de vacances ou une zone de vacances pour aller passer hiver. Donc ça veut dire que par une contradiction lorsqu'elle dit ils arrivaient ou ils s'approchaient. Donc c'est possible la petite on la prière approcher pour l'autre côté. Donc ça veut dire que monsieur par une contradiction eux-mêmes, ils ont seulement utilisé un langage différent mais ils ont parlé de même fait, de même histoire mais Marc de son côté. Et j'aime la version de l'évangile selon ce Marc parce que Marc dit nous au verset 46 ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bien-aimés frères et sœurs, moi j'ai un problème avec la foule. Oh, foule là, toujours là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour capable essayer de détourner le regard nous de Jésus. Toujours une foule pour capable servir comme étant une distraction pour distraire nous de Jésus. Everywhere you go, there is a crowd, and the crowd is determined to make you lose the sight of Jesus. Foule là pour le capable détourner l'esprit nous de Jésus. Oh, bien-aimé frères et sœurs qui t'aiment dire assoya, ou capable côté au passé une foule, ou a besoin une foule au notre travail, ou a besoin une foule dans l'école, ou a besoin une foule dans la rue, ou a besoin une foule la caillou, et malheureusement il y a une foule dans l'église. Foule là toujours là pendant que on là, ou même on fait effort pour servir Jésus, mais on là pour détourner de Jésus. The crowd disturb your spirit, discourage your soul, and distance you from Jesus. You have to understand there is a crowd wherever you go, but you have to make up your mind that whatever happened, the crowd will not disturb me. I will follow Jesus regardless of where he goes. When you're trying to be faithful, the crowd tells you, don't pay mine, don't be faithful to Jesus. When you try to pay tithe and offerings, they say, no, this is the church invention. When you're trying to pray, they say, there is no real power in prayer. The crowd always try to disturb you. But let me tell you today, when the crowd gets on your way, if you cannot get through the crowd, go higher.
sous quoi menti, bien aimé frères et sœurs, dans l'évangile selon ce Marc chapitre 2, lorsque foule là, barré quatre messieurs pour yon parler contre Jésus, yon dit, ah, on barré nous, ou pas besoin, père, n'a mouté bien. Les foules là barré, ou pas qu'à traverser la foule pour joindre Jésus, ou obligé, faut monter piro, lever sur piro. Le foule là pas doué là, comme étant un problème, foule là c'est un obstacle qui est lié. Grande différence entre un problème et un obstacle. Le problème est self-sustaining. En d'autres termes, problème n'est capable d'exister peut-être. Mais obstacle là, il existe seulement lorsqu'on a une destination. Ça veut dire que you're on your way somewhere. There is an obstacle. But you don't have to worry about the obstacles. All you need to know, all you need to do is you have your eyes focused upon Jesus. He is the way. I don't need to be worried about the crowd. Oh, la foule est avec Jésus. Et savez-vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, the foule, the crowd, never becomes disciples. Foule là, pas jamais devenu disciple, non? Cependant, foule là gagne raison d'être. Foule là, il est capable de servir comme étant un jamais qui a dit a stepping stone. On va gagner qui pour aider au point étape dans la relation avec Jésus. Et lorsque foule là a suivi Jésus, Marc prend le temps pour nous dire Jésus a passé et une assez grande foule le suivit. Le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Écoutez bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Marc, pointant pour le décrire nous, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle. Dans le texte, il y a un pléonasme. Un pléonasme vicieux, si nous avons dit comme ça. Parce que Marc dit nous, le fils de Timée. Depuis qu'il a dit le fils de Timée, il n'a même pas besoin de dire Bartimée. Parce qu'en Amérique, Bar veut dire fils. Donc lorsqu'elle finit dit Bartimée, son répétition pour dire le fils de Timée encore. Mais Marc fait ça avec précision ou encore à dessein. C'est parce que Marc a une raison qu'elle voulait attirer l'attention nous. Parce que Bartimée, pas n'importe qui. En fait, selon quelques commentateurs, Bartimée, le fils de Timée, son père Timée, c'était un nègre qui était grand nègre. Il était riche. Ça veut dire que Bartimée grandit dans l'atmosphère, côté que tout ça a besoin de lui. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bien-aimés frères et sœurs, faites attention. Faites attention parce que la vie a parfois contre nous mauvais maladeur. Jean-Bagayoye Jodia, il n'a pas toujours été comme ça. Et c'est ça que je me dis à tout le monde, bien-aimé, faites attention à la façon dont vous traitez les gens qui sont à vos côtés. Parce que je dis à cause elle qui n'est pas bon. Je dis à la vie à qui doit mal mener. Je dis à ce qui doit son mon best mettre la ville. Je dis à ce qui doit pas de résidence. Je dis à ce qui doit passer toutes sortes de péripéties. Mais on ne pas contre qui plan Jésus pour la ville. Je dis à bagayo qui doit pas bon. Mais ça pour tout demain, si de c'est pas libre, bon Dieu, pour élever en dignité pour résoudre le problème qui va pied. Est-ce que vous ne connaissez pas demain, si de c'est lui qui est un avocat pour aller défendre dans le tribunal là? Faites attention, be careful. You don't know what God has in store for the person who's sitting next to you. Things may be bad today, things may be upside down today. But I know something. The word of God declares, sorrow may come at night, but somehow, some great how, joy is going to come in the morning. Même si bagay yo triste dans la nuit là, le soir arrive les pleurs, mais le matin l'allégresse. Nuit là doit triste. Nuit là doit noir. Mais mon proverbe créole qui dit, lorsque vous êtes nuit la pif et noir, c'est jour le bois jour. Au bâtiment à vivre dans l'atmosphère, côté tout à faire bien.
parce que son père Timé, son grand-père qu'elle était, toute bagarre était marché bien pour Bartimé, parce que papa était tout ça qu'elle besoin. Cependant, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, malheureusement, son père Timé vient tomber mourir. Et par le fait que Bartimé était aveugle, il n'est pas capable de procéder sa papa le rien. Tout le monde tombé sous bien timé, ou pillage et ou guidé batimé sans rien. C'est même Jean bien aimé. Je dis à ou même qui États-Unis. Pas comprendre non qu'on bien bien en Haïti. Baton peut-être tout. Parce que si on quitte en Haïti, des boutons fait ça ou jambé frontière. Famille est en prendre le bouillon. Parce que pour vous-même, pour vous-même, son pied l'argent qui a tombé l'argent dans la cour la caille. Donc, si ça, en Haïti, et pas faire erreur, non, pour aller tout en Haïti, pour aller gourmet pour lui. Kidnapper, aucun noir pour moi, pour tout les États-Unis. Quitter le bouillon. Donc, Bartimé a vivre un moment noir parce que, il prend tout ça qu'elle gagne. Oh, papa, il mourit, il perdit tout bagaille. Et malheureusement, Bartimé, tombé, c'est mandé, la mandé. Au mac décrit situation, Bartimé, il dit, mendiant, aveugle. Bien aimé, ça, Haïti nous sorti. Moun kap mandé en Haïti, et qui aveugle, met sous lui, pas d'importance. Ça, nous, on est frères et sœurs. Grand pile là, nous là, si nous voulons confesser péché, nous, parfois, nous connaissons là, qu'on vieux wash, dans le couille pauvre. Ou bien, on vieux zo. Imaginez on entend Bartimé. Nous avec ces bagailles, tout le monde rejeté, la société condamnée. Bartimé avec, mon Dieu, pas utile tête liée. Oh bien-aimés, frères et sœurs, chers amis, oh, jour après jour, Bartimé chita à bon route là. Jour après jour, Bartimé a demandé. Jour après jour, il recevra déception. Jour après jour, il recevra humiliation. Jour après jour, la société condamne. Jour après jour, il parle le mal. Jour après jour, il critique. Situation Bartimé est triste et lamentable. Les trouver dans la vallée du désespoir. Mes sœurs, imaginez tes grand-net. Toute bagaille t'a marché bien pour vous. C'est où que t'as fait pour l'autre qu'on y a depuis ces bagailles où t'es gagné disparaître. C'est devant porte monde où a fait la descente. Situation partie mais déplorable. Oh, les trouver dans la vallée du désespoir. Même quand on dit wasoya, même dans la vallée du désespoir, il y a espoir. Parce que on seul bagaille que me connaît. Pas de personne qui s'est rencontré avec Jésus pour pas gagner espoir pour eux. Société a été condamnée. Société a été dire au pape rien. Société a été mettre tout dossier sous dos. Même content pour dire wasoya, du moment que rencontré avec Jésus, situation capable de changer. En pile, nous qui j'étais là, on connaît société de Dieu, pas d'ailleurs. Mais je dis à grâce, soit rendu à Dieu, ou un certificat LPN, ou un certificat NES, ou un certificat docteur. C'est pas avec force ou arriver, mais c'est Jésus qui est qu'il faut arriver. Il y a espoir, même dans la vallée du désespoir. Oh, pendant Bartimé, à point humiliation, la point balle dans le front. Et un beau jour, yon bonjour, pendant chita, li chita bo out la. Et puis il tende gon bruit ka fait. Tende gon va et vient. Tende gen parole ka parle. Mais bagay sa pa arrive déjà dans zone côté le théa. C'est pour la première fois le tende bagay kon sa a parlé. Li tende moun ap moute de son, ap va et vient. Gon mouvement chaud ka passe dans zone là. Et lorsque Bartimé informé la, le texte nous dit, il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Oh, bien-aimé, frères et sœurs, Bartimé était qu'il doit avec, mais béni soit l'Éternel, il n'y a pas de soude. En sorte qu'il entendait ce qu'a fait là,
Et pendant les formelles, moi, j'ai eu une impression. C'est probablement avec le chapitre 8 de l'évangile selon ce Marc qui soufflait dans les oreilles Bartimée pour dire, bah, c'est moi et tel, ou changez-moi d'avec, même j'ai avec vous. Je rencontre un homme qui est le Jésus de Nazareth, lui passer la bouche sous yem, je dis à m'kawe, et mais Bartimée, c'est nom ça qui a passé là. On a l'impression immédiatement, Bartimée jumpé, lui campé. Et lui dit, je dis à ce soir, Jésus passé dans Jéricho, moi ou clair, ou bien Jésus fait un youten pour tourner côté de Sotia. Mais Jésus pas passé dans Jéricho, ça m'a gêné la délivrance. Bien aimé, le wap servi Jésus ou besoin de détermination. Le wap servi Jésus ou besoin de pile force. Le wap servi Jésus, you need to have a backbone. Because the crowd can disturb you. And crush your hope and desire. Si vous n'avez pas de détermination, vous n'avez pas de silence. Vous n'avez pas de fermer bouche. Mais avec détermination, vous devez courir derrière vous. Vous devez critiquer vous. Vous devez parler mal. Vous devez faire tout ce que vous voulez. Mais vous avez détermination. Ou comme ça, vous avez besoin de la vie. Ou pas quitter ou distraire. Dieu sur Jésus. Ou avancer. Parce que vous êtes avec Dieu sur Jésus. Ou prier quand même. Joseph a dit, oh, devant toute cette multitude qui s'avance contre nous, nous savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Avec Dieu sous l'éternel, frères et sœurs, vous n'avez pas besoin de nous. Critique, il a fini, on l'est. Avec Dieu sous l'éternel, bien-aimé, ou pas besoin de peine, mal parlant, a fini, on l'est. Avec Dieu sous l'éternel, frères et sœurs, ou pas besoin de peine, vos situations changées. Avec Dieu sous l'éternel, bien-aimé, qui vient dire à soi, ou capable de jouer la délivrance. You need to have your eyes upon Jesus. He is the way, the truth, and the life. If you need to make it in life, there will be obstacles. There will be all kind of difficulties. There will be all kind of problems. But you need to make up your mind and say, come what may, I will not turn back. My eyes is upon Jesus. He is the author and the finisher of my faith. I will not turn back. Bartimée tendait. Et lorsqu'il tendait, il ramasse depuis ce petit courage qu'il a gagné. Je connais depuis qu'il est parti, mais pas manger. Mais imaginez, il ramasse depuis ce petit courage qu'il a gagné. Il criait à plein gosier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé, on va comprendre que Foula a joué une voix avec Bartimée pour crier. Pour yon dit Jésus qui a pitié pour Bartimée. Yon vire regarder Bartimée. Et regardez mon cher. Et fermez, vous connaissez là. Bien aimé, en attendant nous, vous voulez dire, dans la foule là, il y a un gens qui suivent Jésus depuis dans Judée ou bien côté le sautier. Qui a un problème pas yon. Yo gen difficulté pa yo. Yo gen maladie pa yo. Yo a suivi Jésus, yo pou kon ka jwenn rien nan men Jésus. Et puis vie Bartimée qui chita bon route là. Hein? Yo saute courir tout en série de distance, passer dans roche, dans poussière, traverser de l'eau. Yo pou kon jwenn sa au besoin et puis Bartimée chita là. Et pou ta vle le délivrer. On entend nos frères et sœurs. Hein? Ou kon gòm ou ta pre, ou ta parti akon bòt Bartimée. Oh frères et sœurs, il y a un auteur haïtien qui écrit un texte que moi-même en pile. Je crois que c'est bien Jorel Théodore qui dit c'est la société par contre ça veut faire mon ba à l'aise. L'homme malheureux, yo parle au mal, yo critique ou. L'homme vin grenèg, yo raïsou. Piti vraiment pas j'aime grandir en bas gros. Faut t'as un problème pour y avoir tout le temps. De quoi que si un jour vous refusez, pour y peser. Pitié vraiment, pas j'aime grandir en bas gros. Frères et sœurs, l'homme n'a pas de problème lorsque c'est lui qui a bon discours.
L'homme n'a pas de problème lorsque c'est devant cabane nous dormi. L'homme n'a pas de problème lorsque c'est lui qui a boyon bout de manger. L'homme n'a pas de problème lorsque c'est lui qui a menon godo besoin aller. Mais du moment situation change, il y a un problème avec vous. Ça c'est l'homme. Parce que l'homme n'a toujours voulu vous marcher tête baissée devant. Mais moi dis, bien-aimés frères et sœurs, dans la vie ça au nom de Jésus. Moi faire respect pour pas de respecter personne. Mais moi déterminé au nom de Jésus. Moi pas marcher tête baissée devant personne. Seul monde pour marcher tête baissée devant, c'est l'Éternel des armées. Vous font bagaille pour moi, m'a bien la reconnaissance. Même pas marcher tête baissée devant. Parce que si vous faites des choses pour moi, ce n'est pas vous qui faites, c'est l'Éternel qui inspire vous faire. L'homme en soi est égoïste. Il t'a pris le fait pour vous. Il t'a fini de tout Jacques ou de Kylie. Les pagans qui ont enterré, reste là. Les pagans qui ont été mis, ils ont enterré. Et pas vous, ils ont changé. Donc si vous faites des choses pour vous, c'est l'Éternel qui inspire. En sorte que vous reconnaissez envers lui, mais toujours dit béni soit l'Éternel d'abord. Oh, l'homme n'a pas de problème. Laissez lui qui a fait pour vous. Laissez-les qui plongent la main. Les situations en bas, il n'y a pas de problème avec vous. La prière avec vous, la joué avec vous. Mais depuis la situation changé, vous changez avec vous tout. Somebody knows what I'm talking about very well tonight. Yeah, you know? I don't care. As long as I can do for you, I don't care. But when your situation changes, it becomes a problem for them. Remarquez bien, frères et sœurs, ils étaient capables tout simplement d'ignorer Bartimé. Ils n'ont pas même besoin de partir avec Bot Bartimé. Mais bien aimé, qui te dit ou bien Bartimé, comprenez ma gueule là, ils ont repris Bartimé, ils ont dit Bartimé, fermez bouchou. Et lorsque ils ont crié à Bartimé, fermez bouchou, Bartimé dit crier pour crier, m'a crié plus fort, il prend divorce encore, fils de David, aie pitié de moi. Ou asroyam passe là pour me dire, bien-aimé frères et sœurs, gagne une puissance dans nom Jésus. Gagne une délivrance dans nom Jésus. Gagne une victoire dans nom Jésus. Oh, gagne une solution dans nom Jésus. Gagne une guérison dans nom Jésus. Oh, bien-aimé qui me dit, ou sous pas quoi ça. Oh, dimanche soir, m'a pas d'appel encore. Pendant que nous sommes dans la bus station, oh, nous prenons la caille. Oh, machine à virer. Seul ça m'a dit, Jésus, 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 machine à virer, c'est vrai. Mais au nom de l'Éternel, il m'a fait accident. Et victoire dans nom Jésus. Oh, pendant un mois, août là, m'a prêché en croisade là, dans l'église, moi. Oh, me demandait mon Dieu, s'il me trouvait grâce dans le pour le banc, moi, 33 baptêmes. Oh, bien-aimé, Jésus répond prière. 33e personne qui prend décision pour le baptiser. Mauvais esprit jouquel. Oh, pendant mauvais esprit moutel, dans le dernier jour baptême là, il mené le devant moi. Moi, rentre avec le nom de loi. Là, moi, rentre avec le nom de loi. M'a chanté avec l'église là, le numéro 551. Jésus, 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 c'est le nom que mon cœur aime. Pendant que je chante, je m'a dit Jésus, Jésus, Jésus. Mauvais esprit, je ne vais pas arrêter encore, vous m'allez. Assoyez-vous, vous connaissez la puissance dans le nom de Jésus. Délivrance, c'est dans le nom de Jésus. Vous avez besoin de ça, assoyez. Cléa, qui ouvre toute porte, l'allée Jésus de Nazareth. Parce qu'elle dit, je tiens dans ma main les clés des morts et du séjour des morts. Claire, Master Claire, c'est dans mes Jésus. Mais qui t'aime dire, c'est pas là un problème, nous pour les Jésus. Si vous pas conserver Jésus avant, pas comprendre son magique lié qu'on dit Jésus, et puis tout le bagage pour rentrer dans l'ordre. Il y a une compassion, rien doit faire. Mais pas comprendre que c'est comme ça, ça marche. Faut te connaître d'abord. Et là, on a un problème, l'orine, la fini pour. Au bâtiment, il crie Jésus, fils de David, aie pitié de moi. En deuxième fois. Bien-aimé, je me pose la question à savoir. Bartimé crie une première fois, Jésus pas répond. Est-ce que c'est parce que Jésus ignorait, crie Bartimé? Ou c'est parce que Jésus pas attendait? Pour qui ça Jésus pas campé?
Oh, je finis par comprendre. Ce n'est pas que Jésus pas te comprendre ou bien pas tant d'écrit. Bartimée qui était dans le désespoir, dans la vallée du désespoir. Oh, le chant 607 nous dit, Jésus m'entend lorsque par la prière, je vais à lui sans crainte et sans espoir. S'il semble sourd aux appels de ma foi, je prends courage, car mon Sauveur divin, autant voulu, me répondra. Oh, le chant 38 nous dit, attends le jour marqué, le jour de délivrance que Dieu t'a préparé. Bien aimé, même content pour me dire, ou gagnons l'heure de délivrance que Jésus marqué, bon côté non chaque monde. Et lorsqu'on a l'heure de délivrance arriver, lorsqu'on a ta délivrance arriver, Satan te met mon père, il te met sauter, il te met tenir, mais c'est coûte ma gouille qui gagne, il te met commencer à faire zéro, tourner neuf, mais lorsqu'on t'en est cloche de délivrance pour la sonner, par un yé qu'a empêché de délivrer, Jésus a délivré quand même. Autant marqué, au temps appointé, au moment opportun, Jésus a venu délivrer. Ce n'est pas que Jésus pas attendu le cri de Bartimée, mais qu'il t'aime essayer et d'où comprendre quelque chose. Pas oublier que ce dernier voyage Jésus-Christ, ces dernières opportunités que Bartimée gagnait pour le capable de clair. Parce que Jésus pas tourner là encore, il pour aller à Jérusalem pour aller sur le calvaire. En sorte que ces dernières opportunités aussi que le peuple a gagné pour être capable de tendre un monde qui a proclamé Jésus roi. On pas oublier que m'te dit nous tantôt que pour un monde selon ça qui dit déjà dans ça que nous est dans Lévitique, il dit pour un témoignage capable de en pile valeur, faut le faire en présence de deux témoins. Il est vrai que Bartimée c'est avant un seul témoin, mais il fait deux cris et dans deux cris ça il proclame Jésus roi. Parce qu'il dit Jésus, fils de David, le Messie promis. On sait ça que fait le peuple à courir et Bartimée, parce que vous ne voulez pas à faire Jésus roi. Donc vous courir et Bartimée pour dire fais même bouche ou mouche, pas contre ça va parler. Mais Bartimée, tu connais à qui est-ce qu'on a fait? L'été qu'il nous avec, c'est vrai, mes oreilles étaient ouvertes. L'été qu'on entendait qui ça, mais si alors qu'elle est devenue, l'été a porté guérison sous ses ailes. Et Bartimée proclamait loi. Bien aimé, attendez bien. Attendez bien. Premier, Jésus bat peuple la chance pour y attendre. Il est le Messie. Et lorsque il continue à marcher, Bartimée fait un deuxième cri. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Oh, bien-aimés frères et sœurs, foule là parfois, les couilles, oui. Et malheureusement, parfois, même dans l'église, je vois un monde qui aussi agit pareillement. Oh, Bartimée crier à Jésus. Au lieu d'aider Bartimée crier, yo courir derrière Bartimée. Bien-aimés, ou par contre, souffrance moins. Ou par contre, déception. Ou par contre, humiliation. Ou par contre, ça m'a subi. La vie m'a tout noir. Ou par contre, si vous mal devant, si vous mal derrière. Ou par contre, si vous me faites à droite, si vous me faites à gauche. Au docteur a dit, maladie, non, c'est pour la mort qu'elle y est. On sous liste déportation. Marie, madame, moi divorcé, moi. Petite, moi abandonné. Moi campé pour contre moi. Moi trouvé secoum, solution. C'est celle non Jésus lié. M'a crié à Jésus. Qui t'aime pas la Jésus. Si vous pas qu'attendez, fais mes oreilles. Mais qui t'aime pas la Jésus. C'est celui qui va comprendre moi. C'est celui qui va longer la main. C'est celui qui va retirer la misère. C'est celui qui est capable de guérir des cancers. C'est celui qui va me promotion dans le travail. C'est celui qui va me succès dans l'école. C'est celui qui va retirer sous liste de déportation pour le bon résidence qui t'aime pas la Jésus. Qui t'aime pas la Jésus. Moi, il faut appeler toute porte. Oh, il n'y a pas marché. Il ferme mes portes dans la figure. Moi, je vais résumer tout côté. Devant, je chire résumé. Oh, il y a toute porte fermée pour moi. Moi, je sais que banque là, il y a 10 000 zéro balance.
soit 40 moins. Oh, Paris, secoue moins. Secoue, c'est dans le nom de Jésus de Nazareth. Quittez-moi par là, Jésus. Pas ferme bouche moins. Crime, les assimbares, les Jésus m'a tout fait. Bagaille, trop pour moi. Si mon yon fait une petite tête moins, si la monte dans mon corps moins, je ne connais pas ça pour me faire encore. C'est comme si dans le nom de Jésus, quittez-moi les Jésus. Bien aimé, si je marche dans la rue, yon dit Smith Olivier. Ou bien yon dit Smith. Bon, d'ailleurs, Smith ici aux États-Unis, c'est un nom commun qui est lié. Donc ça veut dire tout le monde presse les Smith. D'ailleurs, c'est last name qui Smith. On ne doit pas virer. Mais si on nous dit Smith Olivier, petit Antoine Olivier, ça, son monde qui vous connaît, qui vous aime comme ça. N'importe qui ne peut pas aimer comme ça. Il faut son monde qui connaît. Il en est ainsi de même. Remarquez bien, Bartimée contre Jésus. Il contre entrailles Jésus. Il dit Jésus, fils de David. Je connais qui est souillé. Ou pas qu'à passer comme ça. Ou pas qu'à passer inaperçu. Moi connais son café. Déjà la Bible dit mon ça que ou a vini et l'on vini ou te déjà dit ou vini pour guérir que brisé ou pour penser les blessures pour ouvrir yeux avec yo. Ou pas qu'à passer comme ça Jésus. Pour faut qu'il j'aille pour moi. Fils de David. Bien-aimé, Jésus campé. Et lorsque il campé béni soit l'Éternel, il dit Jésus t'a dit, Bartimée, viens, jeune moi. Il était capable. Même remercier Jésus. Parce que la Bible me fait comprendre dans Proverbe 16, verset 7. Quand l'Éternel approuve la voix d'un homme, il dispose favorablement à ses égards, même ses ennemis. L'Éternel dit, nous-mêmes qui t'a méprisé là. Nous-mêmes qui t'a dit, pas t'a rien. Nous-mêmes qui te disent son vaut rien. Nous-mêmes qui te condamnés dans la société, allez-le pour moi. Oh, bien aimé frères et sœurs, l'Éternel grand. Mounou a cap méprise aujourd'hui, ou pas besoin d'occuper, priez pour lui. Parce que l'Éternel prend le servir avec elle, lorsqu'on finit de river, demain si tu veux, c'est lui qui a une fois à peine n'importe caillou pour faire un bagage pour lui. Et puis, regardez hypocrite, regardez-moi, regardez-moi comment hypocrite allez. Verset 20, verset 40, 49 dit, Jésus a dit, appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Quoi comment Jésus change la situation, donc frères et sœurs? Ou comment Dieu vient adresser ici avec douceur? Lève-toi, prends courage, il t'appelle. Bien aimé frères et sœurs, automatiquement Jésus est le Bartimée. Jésus fait ouvrir les bâtiments, on comprend une situation bâtiment pour changer. Jésus qui a fait le clair, il a venu procéder bien pas parler encore. Il y a des senti, il y a capable besoin de bâtiment puis devant qu'on y a traité là avec douceur. C'est ça Jésus fait pour vous, l'élever en dignité. Moun qui t'a méprisé au nom de Jésus, pas maltraité ou non? Parce que me toujours dit moun, mon plus mauvais prière qu'on a fait. C'est le moment de la mort pour moun gap maltraité yo. Non. Moi de bon Dieu pour qu'il y ait envie. Parce qu'il faut témoigner lorsque Jésus délivre ou. Faut yo vivre pour yo voir comment Jésus a levé ou. Faut yo vivre pour yo voir comment Jésus change la situation. Et me toujours dit tout le monde ça bien mes frères et sœurs, moi pas gain droit porter jalousie sur moun bon Dieu béni. Moi pas gain droit parler mal à moun bon Dieu béni parce que me connaît même bon Dieu qui béni là, c'est lui m'a servi. Le jour pas m'arriver, faut le bénir tout. C'est dans sous ça me connecté. C'est moment pas m'n pour arriver. Ou mettre pas les mal critiquer, j'en parce que je connais le marché avec Jésus. Jésus a une vitesse supérieure pour le passer. Et là, il passe vitesse supérieure. Ça, c'est pas marcher ou marcher, mais c'est voler ou voler au nom de Jésus. Bâtiment prend souffrance, il prend balle dans le fond. Et le moment de délivrance est arrivé. Jésus campé, il relève, il dit relève pour moi. Et puis, hypocrite, il même dit point courage. Alors, tout à l'heure, tu as dit. Fermé, m'a dit, fermé feuille. Nous connaissons ça. M'a dit, je suis amie. Il dit, fermé,
tais-toi. Et puis qu'on y a, mais même yo qui t'a dit fermer ti feuille là, c'est yo qu'on y a qui dit moi courage. Il faut crier. Pour qui ça tout à l'heure elle t'a crié, il pas dit moi courage. Yo dit non mon cher, garde fermé. Mais qu'on y a Jésus pour le délivrer, yo senti ça. Yo dit ah, sinon ça délivrer, si elle ouais qu'elle qu'elle réclamer bien papa yo. En range causé nous parce qu'elle des grand nègre, nous ka besoin bagaille dans mel bi devant. Jésus changer situation Bartimé. Mais qui t'aime dire un bagaille? Écoutez bien. Bartimé font réaction que moi mais. Verset 50 nous dit l'aveugle jeta son manteau et se levant de bon vint vers Jésus. Maintenant certains prédicateurs déclaré que normalement robe là symbolisait péché. Donc en sorte que Bartimée quittait péché pour venir vers Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, je pas senti confortable avec déclaration ça. La raison pour laquelle si m'ka quitté péché sans Jésus, m'pas besoin de Jésus. Non même si m'ai pouvoir avec propre force moi pour me quitter péché, m'pas besoin de Jésus. Même ta vle assoué à bon yon l'autre explication qui encore plus bien fondée. Dans la Bible, lorsque yon parent gen yon ti moun ki l ramien, li d'habitude signifie ça à travers yon habit. Nous capable changer l'exemple de Joseph. Nous capable li 1 Samuel aussi, après maman te fait yon habit spécial pour lui, pour le porter pour lui dans temple. Bartimée, selon quelques commentateurs, dis-nous, puisque c'est seul petit papa qui a gagné, lui aussi te témoigné à moun envers Bartimée, lui fait robe spéciale ça pour lui. En d'autres termes, c'est seul robe ça qui rappelait Bartimée qu'elle était importante un jour dans la ville. Mais qu'on y est, lui rencontré avec un homme qui est encore plus spécial. Lui dit tout attachement que me gagné à papa, m'a pas besoin encore parce que me rencontré un homme qui est plus spécial dans la ville. Lui jeter robe là. Et deuxièmement, qui t'aime dit dans même Marc chapitre 9, chapitre 10, il y a une autre explication qui est encore belle. C'est que dans chapitre 10, verset 28, à continuer, et Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ou ses soeurs ou sa mère, ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoit au son type. Bartimée comprend que s'il quittait un bagage pour la suivre Jésus, pour le servir Jésus, pour répondre à l'appel de Jésus, Jésus a préconcé au centuple là. Donc parce qu'elle connaît ça, elle dit m'a quitté le manteau parce que me connaît depuis c'est Jésus m'a joint. Jésus capable de ça, l'autre manteau. Bien-aimés frères et sœurs, moi content pour me dire assoir il vaut la peine pour servir Jésus. Le wap servi Jésus, Jésus capable de renverser situation yo. Dans la vallée de désespoir que vous trouvez là, Jésus capable de changer en espoir et ranger cause et élever en dignité. Oh Bartimée, quittez mon toit. Il dit moi je viens de Jésus. Le frère aîné, il pourra changer la vie. Bien-aimé, il y a un dernier bagage qui me donne mon ouais. Bartimée il est deux fois. Première fois, il ignorait, si nous voulons dire comme ça. Et deuxième fois, là, il dit Jésus, même bagaille là, Jésus campait. Maintenant, je me pose peut-être une question. D'habitude, il dit nous comme ça, lorsque Jésus a une foule dans le cap suivi, c'est avoir 3000 hommes sans compter les femmes et les enfants, ou bien 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. C'est rarement. Yo ban nou yon numéro, un chiffre qui moins que ça. Moi imagine si dans gen 3000 hommes qui suivent Jésus. Oh yo tout a parlé. Yo tout a dit un bagage quelconque. Jésus n'a mis en foule là. À l'époque, technologie a pas aussi avancé pour yo te gen microphone. Ou bien yon porte-voix pour Bartimée ta crier. Pour Bartimée crier avec plein voix. Pour voir Bartimée traverser la foule pour la joindre Jésus.
Moi fini par comprendre yon bagay. Que cri Bartimée pas n'importe cri. Le cri de Bartimée, c'était un cri de la foi. Et bien aimés frères et sœurs, pas gen yon moun qui poussait un cri de la foi à Jésus pour Jésus pas répondre cri ça. En effet, texte a prouvé, Jésus dit ta foi t'a sauvé. Oh bien aimé, assoya qui te me dit que à côté de yeux et confiance qu'on doit gagner dans Jésus ou besoin la foi. Le chant nous dit la foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux et gagne les batailles. Oh, il y a un chant créole qui dit, moun qui mettait dans Jésus, yon confiance qui sa mesure, yon capable pas jamais tomber, parce que délivrance yon assuré. À confiance nous va marcher, à confiance nous triompher, à confiance jusqu'à la fin, Jésus va ouvrir chemin, amen. Nous besoin de la foi, avec la foi n'a plus monté problème, avec la foi n'a traversé persécution, avec la foi n'a plus problème, solution pour problème, avec la foi n'a plus guérison. Pour maladie, avec la foi des fêtes capables de changer en victoire, avec la foi n'a besoin de délivrance, avec la foi maladie capable de changer en guérison. Nous avons besoin de la foi de Jésus. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimé, assoya. Je vais me quitter avec la question de Jésus à Bartimée. Lorsque Bartimée vient joindre Jésus, Jésus posait la question. Que veux-tu que je te fasse? La question que Jésus a pour vous, que veux-tu que je te fasse? Moi, busy. Moi, j'ai un pile bagage sous tête, moi. Où est-ce que je viens joindre nous? Que veux-tu que je te fasse? Jésus te connaît problème Bartimée. Et te gen droit dit Bartimée OK, allez ou éclair. Mais quoi que Jésus connaît ça nous besoin, Jésus besoin connaît nous-mêmes est-ce que nous connaît ça nous besoin. C'est lui-même qui dit ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu. Il connaît déjà, nous pas informé, il déjà connaît. Mais le besoin qu'on est au même qui est-ce qu'on connaît son besoin. En mille ans, nous cap crier pour Jésus, ben nous plat dire, c'est peut-être un bout de bande nous besoin pour peser Gaza. Est-ce qu'on connaît son besoin? Que veux-tu que je te fasse? Oh, bien-aimé, Jésus là, il voulait délivrer. Mais le besoin qu'on est-ce que vous même connaît ça au besoin? Jésus voulait délivrer. Lui poser question à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Bartimée te gen droit dit Jésus, j'ai besoin pour faire me rejoindre bien papa mieux encore. J'ai besoin pour capable mettre sous mon encore. J'ai besoin pour capable faire me revivre dans belle maison m'ta vivre avant. Bartimée dit tout bagaille ça yo, m'ka joindre encore. Mais ça m'a besoin ses yeux, m'a besoin ouvrir Jésus. Peut-être assoya ou pas aveugle physiquement mais spirituellement ou aveugle. Jésus passe là pour le faire éclair. Assoya, tout le monde, si il y a un monde spécial, qui besoin font une expérience spéciale avec Jésus, qui tendait parler de Jésus ça, lui tendait ça le fait déjà. Comment le délivrer en pied l'autre monde, mais lui-même, il pourquoi jamais délivrer. Au lieu que ou aigri avec mon Jésus délivré, moi je voulais inviter ou Assoya pour venir faire une expérience avec Jésus. Rentrer la caille moi c'est où même moi les
même blié promesse moi envers vous. C'est vous même moi relé Jésus. L'ennemi a entravé moi. C'est vous même moi relé Jésus. Vous connaît qui sont les pour moi. Pas de monde qui t'a remplacé. Jésus. Sans vous, Jésus, c'est où qui m'aide moi. Pas de remède, pas de la paix. Sans vous, Jésus, c'est où qui m'aide moi. C'est où m'gaye, c'est où même pour m'rele. Jésus, c'est où qui m'aide moi. Dans tête chargée, dans jour malaise, c'est où. Jésus, c'est où. Sauter ses méchancetés sans vous. Jésus, c'est vous qui m'aide moi. Jésus, vous connaît qui sont liés pour moi. T'as guéri vous qui t'a remplacé. Jésus, vous connaît tous ces problèmes moi. Toute la vie moi de vous. Jésus. Une fois de plus, nous ne connaissons pas qui j'ai encore pour nous remercier ou, du fait que vous avez choisi pour passer un petit temps avec nous. Pour toute suggestion, vous pouvez appeler nous à 617-276-5935, 617-276-5935. Pour la dernière heure, c'était serviteur ou et amis Hans Élisée. À la prochaine. Que bon Dieu bénisse. Qui changeait.